Presto! Cette musique semble faite pour le protocole ou les grands élans patriotiques. Ce morceau est surtout connu dans le monde anglo-saxon où l'on n'imagine pas une cérémonie de remise de diplôme sans qu'il y soit joué. Ce morceau qui s'appelle Pomp and Circumstance a été écrit en 1901 par un compositeur anglais, Edward Elgar. C'est une marche pour orchestre qui, dès sa première audition, connut un immense succès puisque le public demanda à la réentendre deux fois. Si cette marche pour orchestre est devenue la musique obligée des cérémonies de remise des diplômes, c'est pour une raison toute simple. L'université de Yale voulait remettre une distinction à Elgar et décida, pour l'événement, de faire jouer une de ses récentes compositions. La mode était lancée et ne s'est plus arrêtée depuis. Les concerts les plus étonnants au monde se déroulent chaque année à Londres. C'est le mythique Last Night of the Proms.
Au Royal Albert Hall, une foule en délire, en smoking ou déguisée, avec des drapeaux et des ballons, reprend en chœur un air joué par l'orchestre. Quel air ? Pomp and Circumstance d'Edouard Elgar. Presto!